Salut à toutes et à tous les amis, c'est Pablo Mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube qui va tout simplement être une petite game en Battle Royale sur Call of Duty Warzone en solo. Let's go. Là c'est pas la vraie partie, ça pareil, vous voyez j'ai mis un peu de temps à l'intégrer. C'est juste une façon de faire patienter le joueur en le mettant avec les autres joueurs dans un petit endroit en attendant que la partie se charge. Vous voyez, il reste 26 secondes avant la vraie partie, c'est marqué au milieu de l'écran. Ok. Voilà, c'est l'écran de chargement, on s'en fout, hein. Là je jouais pas sérieux les gars. Je dis pas ça parce que je viens de me faire exploser, pas du tout. Je vous le dis juste, à titre d'information. Ok. What else? Oui, donc c'est un Call of Duty qui selon moi ressemble un peu à du Battlefield. Franchement, dans le gameplay, je trouve qu'on est sur du Battlefield. Bon, déjà, c'est du Battle Royale, ce qui fait que la map est immense. Et dans Battlefield, on a des grandes maps aussi. Alors, elles ne sont pas aussi grandes que celles-ci, mais elles sont très grandes. Où il y a du 32 versus 32. Donc, ça s'en rapproche un peu de ce côté-là, je trouve. Et même dans le gameplay, ça ressemble pas du tout à tous les autres Call of Duty auxquels j'ai joué avant. Les armes ont beaucoup plus de recul quand on court. Ça tremble aussi, la caméra tremble beaucoup plus. Vous voyez, c'est beaucoup plus réaliste, ou ça se veut beaucoup plus réaliste que les anciens Call of auxquels j'ai pu jouer. C'est ma petite analyse, ma petite critique sur le jeu. Moi, j'ai joué surtout au Black Ops, donc Black Ops, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3. Ah là, attendez, c'est parti là, faut que je me concentre. Et oh là non, il y a des ennemis déjà. Il y a un mec juste là, putain. Allez. Oh non, mec, tu peux pas me faire ça. Je vais me faire tuer dès le début. J'ai pas envie d'aller au goulag. Non, 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 non. Faut que je fuis. Faut que je fuis. Oh putain, il va me défoncer. Il est en train de me chase, non? Il est en train de me chase. Il est derrière moi, il va me tuer. Il a droppé une arme, il va me tuer. Je suis en train de courir comme un petit canard. Perdu. Allez. Hop, il nous faut une arme. Il nous faut des plaques de fer pour faire le gilet pare-balles. Et il nous faut une arme. C'est ce que j'ai appris au cours de mes... Ah bah des munitions c'est bien quand on n'a pas d'armes. Ah il faut que je me cache. Il faut qu'il abandonne ma poursuite. Ok. On va chasser le perdreau. Moi je pense qu'il m'a suivi, non? Ah mais y a rien ici. Y a pas une seule arme. Y a pas une seule petite boîte. On a besoin de faire un pack opening les gars. Ou peut-être dans ce bâtiment. J'y crois dur comme fer, ce bâtiment, c'est celui qui va nous sauver. Il n'y a rien nul. Ah oui. Et voilà. Il suffisait de demander. Ah ouais, s'il est au corps à corps, le mec... Ça, c'est de la moulaga. Hein. La moulaga, c'est très important. Alors, quand on veut réanimer son collègue, le faire revenir sur la map, on peut utiliser la moulaga pour ça. Voilà. Donc ça c'est une info que tout le monde a déjà depuis environ 6 mois, hein, puis le confinement, voire même avant. Moi je l'ai depuis hier. C'est comme ça, chacun a son rythme. Chacun a son rythme. Ça n'est pas une course de vitesse. Elle est pas ouf cette arme. Hein. En vrai, j'aime bien les fusils à lunettes de façon générale, mais là, la lunette est pas folle. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve en noir et blanc comme ça, c'est pas incroyable. Non mais abusé! Je vais vider un chargeur au mec. Sans déconner. Ah, il a tiré au niveau de la tête. Il a été plus malin. C'est pas grave, écoutez, il y a toujours moyen de revenir. Je pense qu'on va pouvoir revenir si on gagne ce 1v1. J'espère le gagner. Donc pour ça, ok, mon ennemi a disparu. Pour ça, il faut mettre une pression à votre futur adversaire dans l'arène en lui mettant des grosses patates pendant le temps de chargement, là, vous voyez. C'est ma petite astuce à moi, voilà, regardez-le lui. Lui, par exemple. Si vous faites ça, vous aurez plus de chances de gagner contre lui, si jamais j'affronte lui. Logiquement, je pense que c'est lui que je vais affronter. Pas l'arbalète, oh oui. Ne serait-ce pas l'arme que j'avais... Ah oui, non. Vous y êtes, soldat. Il va arriver par là. Pas du tout. C'est une grenade ou je rêve?
Il est où le frérot? Bon, faut rush à un moment. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, je sais que j'ai gagné, alors me demandez pas comment. Je ne sais pas. Je lui ai mis une bastos, apparemment il est mort. Moi, de ce que j'ai vu, j'ai tiré complètement à côté. Hein. Alors après, est-ce que c'est uniquement moi qui déraille peut-être? Mais j'ai tiré complètement à côté là. Bon, toujours est-il que nous sommes toujours back in the game, back in the race, comme on dit. Et que ça n'est pas fini pour nous. Hein. Nous avons saisi la chance qui s'offrait à nous pour continuer cette partie. C'est un signe du destin. J'ai peur de m'exposer. Oh putain. Il est où? On est d'accord, il y avait un mec, on l'a vu. Hein. Je vais prendre mon pistolet mitrailleur et je vais le prendre au cac. En fait, le truc, c'est que j'ai pas le son aussi. En fait, normalement, ça joue avec un casque. En vrai, il a pris combien de balles? En vrai. Non. Oh, j'ai perdu du coup. Oh non, attendez, je lui ai mis beaucoup de balles là. Oh, c'est terrible. Terrible. Je vous avoue que j'ai un peu le seum. J'aurais bien aimé regarder la killcam. J'aurais pas dû passer la killcam. On va rejouer. On va refaire une partie. En espérant que l'issue de cette nouvelle partie sera meilleure que celle-ci. Toujours est-il qu'on est reparti. Pour une seconde game, je pense que ce sera la dernière pour pas faire un tournage trop long. On est déjà à près de 11 minutes. C'est un peu long. Donc avec la deuxième game, je pense que ça fera 20 minutes. Quoique vu mon niveau de jeu, peut-être 15. Mais voilà, on va faire une deuxième game. Écoutez, c'était juste histoire de discuter, de vous dire que j'étais encore en vie, tout simplement. Que je ne suis pas décédé. Je suis bel et bien là. Et voilà, et que j'espère que vous portez bien. Je ne fais plus trop de jeux Supercell. Oh purée. Il faut que le parachute allait pas se déclencher. Je joue uniquement à Brawl Stars. J'aime beaucoup Brawl Stars. Oh purée. J'ai un pote avec qui je joue souvent, j'aime bien ce jeu. Il faudrait que je refasse des gameplays dessus. Ah. C'est un très bon jeu. Franchement, je trouve qu'il est très propre. Et les mises à jour en plus, avec le petit passe de combat là, enfin, je sais pas comment ils appellent ça, oui c'est le passe de combat, je crois. Passe royal, comment ils appellent ça, le passe de saison, le season pass, oh je sais plus. C'est plutôt bien, ça met de la nouveauté tous les mois quoi. Oh! J'ai envie de mettre cette mine, R1 apparemment. Parfait, et on va camper ici. Et voilà l'astuce. Alors, qu'est-ce qui se dit? On casse tous les carreaux, il n'y a aucun respect dans le jeu, il n'y a vraiment aucun respect. Coup de cross, bang. Oh, Uzi. Donc ça, ça m'étonne pas. Ça, c'est à base de gros calibre. On va pas rester là toute la partie. Hein. On va aller jouer un peu. Oh, y a un mec. Y a clairement un mec, là. J'ai entendu des tirs et y a un point rouge qui s'est affiché. Il est où? Est-ce qu'il me chase? Non, pas en train de chase. Origine de... Oh, fusil à pompe, c'est bien. Peut-être prendre ça. Hein. Prendre ça. Et ça. Voilà, mitraillette et fusil à pompe, ça c'est très... C'est pour le corps à corps. J'ai mon gilet pare-balles, de toute façon. Oh, il y a un mec en moto qui arrive là, non? On va sortir le shotgun, on va le défoncer. Ben voilà. Qu'est-ce qu'il fait, le frérot? Il m'a même pas vu, il va où? Je vais le follow. Il va où, comme ça? Sur son quad. Regardez, ouais. Donc ouais, je disais, l'écran tremble. Et on est sur des grandes, grandes surfaces, quand même. Très longues à parcourir. Il y a un mec là. En fait, les points rouges, je sais pas si c'est des tirs ou si c'est des ennemis. C'est des tirs d'ennemis, peut-être. Je sais pas. Je sais pas trop. Oh, putain. Vous l'avez vu. Oh, lui, on va le rush au fusil à pompe, les gars. Directement. Que c'est bon pour vous. Ok, je lag un peu. Il est où? Il doit être par là. Henri. Ah, j'ai pris très très cher là. Il est où, frérot? Il est sur cette part. Merde, je savais. Ah, mais ils étaient plusieurs, non? Ils étaient deux.
Non, j'étais. Non. Ah, si, ils étaient deux, ok. Bon, bah, let's go, goulag. De toute façon, une fois n'est pas coutume, je vous avoue. J'ai l'habitude de ce goulag. Allez directement au goulag, yes. Ok, ok. Oh non, mais pas l'arbalète, mec. Je vais faire comme ça pour pas qu'il sache où est-ce qu'on va. L'arbalète, je sais même pas où va le carreau de l'arbalète, c'est vous dire à quel point je maîtrise peu l'outil. Putain. Non, 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 ok, on sait où il est. Je capture le drapeau directement. Il est où le frérot, il est où? Vainqueur du goulag. Oh, j'ai win, j'ai capturé le drapeau. En fait, dès qu'on tue pas le mec, que ça prend trop de temps, faut capturer le drapeau. Ah, lourd! J'ai win. C'est très rare que je win au goulag, donc je suis plutôt content. On va aller ici, là où il y a ces petits conteneurs. Hop. Ténère. Se poser et prendre cette petite boîte, non? Oui. Écroche le parachute. Ok, lourd, très lourd. On a de la moulaga. Oh, le fameux bouclier. Oh là là, mais il y a du stuff là, toute berzingue. Hop, P90, ça c'est très... Dans les anciens Call of, elle était culte, cette arme. Vraiment culte. Là, il y a quoi? Là, il y a... Ah non, 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 j'ai pas de moula, mec. J'ai pas de thune. J'ai pas de thune pour toi. Désolé. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un contrat? Bien sûr. Bien sûr que j'accepte. Regardez, on a fait le top 86. Ce qui était mieux que notre partie précédente. À noter quand même. Il y a une progression, les gars. Il y a une réelle progression. Mais regardez-moi ces immenses étendues. C'est interminable. Je vais prendre cette P90 pour tenter de tuer des ennemis. Ah, il y a des mecs qui sont passés par là déjà. Au vu de cette caisse qui est déjà ouverte. C'est vrai que sans, je pense sans le son, je me complique un peu la vie aussi. Hein. Vu que jouer sans le son, ça complique les choses dans le jeu. Non! Ah, y'a plus de goulag, c'est fini. Bon, j'ai fini 83ème. Écoutez, on va se laisser sur ce magnifique score de 83ème. Je sais pas du tout ce que ça donne, le gameplay. Je sais même pas s'il a été record comme il faut. Je vais tenter de. Mais d'upload tout ça correctement. J'espère que ça vous aura plu. Même si je vous avoue que le niveau de jeu, j'en ai bien conscience, n'est pas ouf. Vu que je viens d'avoir seul le jeu hier. Mais voilà. Écoutez, c'est dimanche, c'est peinard. De toute façon, je pense que ce sera upload d'ici la fin de la journée, donc vous le verrez dimanche aussi. Et voilà, tout simplement. Et donc, il n'y aura pas trop de montage, ça sera juste brut de décoffrage, comme ça. Et écoutez, c'était Bob le Mineur. Prenez soin de vous, et à la prochaine. 1, 2, 1, 2, 3